Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Subnautica et j'espère que vous allez tous et tous très très bien. Et on se retrouve face à ce magnifique, excusez-moi, éclipse. Et on va aller faire un petit tour dans les profondeurs, se rafraîchir un peu avec toute cette canicule là, on crève en ce moment. Donc allons nous rafraîchir. Alors je cherche désespérément du cuivre pour faire des nouvelles piles parce que j'aimerais bien aller explorer les alentours du vaisseau. Mais je ne trouve pas de cuivre et c'est problématique. Alors il y a eu une dernière mise à jour sur le jeu. Maintenant on a le... j'ai l'impression qu'ils ont rajouté beaucoup de sons. Parce que quand je récolte du... par exemple du quartz et d'autres... Regardez. Hop, il y a un petit bruit. Et avant, j'ai pas remarqué que ces bruits existaient. Et ils ont surtout rajouté l'exosquelette. Donc un espèce de robot dans lequel on pourra aller. Enfin un exosquelette quoi. Et on pourra évoluer avec. Et ça a l'air très cool. Je sais qu'il existait déjà dans les logs du jeu. Qu'il y avait déjà des youtubeurs qui l'avaient montré. Mais officiellement, il n'était pas encore sorti. Et là, ils viennent de le mettre à jour. Donc, j'étais en train d'explorer cette grotte avant qu'il y ait des poissons explosifs qui m'éclatent à la tête. Et ça me fait chier. Je voudrais... je voudrais du cuivre, mais j'arrive pas à trouver du cuivre. Ah bah voilà. Il suffit de demander. Ok, on est où là? Regardez-moi cette belle lumière. Franchement, c'est beau. Et d'un côté, je vais reprendre mon oxygène. Le coup soleil est en train de se le coucher. C'est dommage, j'aurais bien voulu que le... enfin, je vais pas aller explorer les ruines de nuit. Enfin, les ruines. L'épave de nuit. Les ruines. Alors, il y a les ruines d'un vaisseau que nous allons explorer. Et c'était le nôtre. Mais c'est quand même des ruines. Saloperie. Saloperie de poisson explosif. Est-ce que t'as laissé de la poudre au moins? Rien. D'ailleurs. Ah, on peut le démolir. Toi tu ne verras plus m'emmerder comme ça. Bien sûr, faut pas tous les détruire, hein, vu qu'ils fournissent de la poudre explosif. Et que ça va être important pour des composants plus tard. Qu'est-ce qu'ils font comme boucan ces machins? Et là, je suis... oh là, paumé. Faut pas trop que je me paume dans les profondeurs. Oh merde. Oh mon dieu. Ah non, je suis bloqué. Ouf. Bon, on va se casser parce que là, il me faut... lumière. Vite, il faut que je sorte d'ici. Parce que là, je suis à 18%. Où est la sortie, s'il vous plaît? Où est la sortie? La sortie, vite, 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 vite. 12, 12, 12. 10 secondes. Ah putain. Vite, là, 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 là. Vas-y. 3. Oh non, 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 je vais mourir. Ah non, non, non. Oh mon dieu. Ouh, j'ai failli mourir. J'ai trouvé qu'un minuit de cuivre. Ah, fait chier. J'étais à deux doigts de mourir. La vie sous-marine est très dangereuse. Bon. Alors on va voir ce qu'on peut faire. J'ai pas retrouvé d'objet. Je suis allé un peu pêcher. Oh, il y a un message. Ah merde, tiens. Attendez, comment ça se fait que c'est pas en français là? Il y a une mise à jour dernièrement. Je sais pas du tout si... normalement le jeu est en français de base, donc je crois qu'avec la mise à jour, ils ont...
En fait, il y a beaucoup de choses qui sont mises à zéro, et là, on a tout. Donc, lifepod 8, demande assistance, touché. Ah ouais, nous avons une brèche dans le. Nous avons été touchés, close, radiation. D'accord, ça a disparu. Ceci a disparu. En fait, tout. Il y a des trucs qui sont en anglais, qui sont revenus en anglais et d'autres qui sont restés en français. C'est bizarre. C'est quoi ça? Ok. Bon. Vous voyez que j'ai rajouté quelques armoires pour faire un peu mon rangement. On va changer ça. Voilà. Je vais faire une pile. Et qu'est-ce que c'est de ça? Kit de minerai d'argent avec kit d'assemblage. D'accord. Alors, on va... l'or. On va le mettre là-dedans. L'argent, on va le mettre là-dedans. On va mettre le titane là. Le plomb ici. On voit des coordonnées. Ah, putain, d'accord, on a des coordonnées de... Ah, intéressant. Et du quartz. Apparemment, je crois comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont apparues sur... alors, attendez, ça c'est quoi ça? Signature thermique, et ça c'est l'ouverture de grotte possible. Alors, on va mettre... Hop, ça. Je vais boire un petit coup. Alors, où est le lifepod? 827 mètres. Bon, on va aller voir ça. Allons voir. Ah, il fait nuit en plus. Sinon, est-ce que je peux construire des trucs nouveaux? J'aurais bien voulu montrer les portes. Il me faut du caoutchouc en silicone et titane x4. Je crois que j'en ai du caoutchouc en silicone. Caoutchouc en silicone. Parfait. Et on va prendre du titane. Alors je sais pas si les portes sont toujours buggées. À un moment il y avait un bug et on pouvait plus les ouvrir, donc c'était assez embêtant. Merde, il en faut 4. Ah zut. Hop. Non. Allez, sors-moi ce truc. Voilà. Et merci. Genre, vu qu'il y a le réacteur ici, c'est un truc super dangereux. Voilà. Hop! Et normalement, j'adore l'ouverture de ces portes. Hop! L'animation est super cool. Bien sûr, ça permet de d'éviter des inondations. C'est classe, ça. J'aime bien ça. J'adore les petits, rien que les petits trucs comme ça, là. Les petites animations comme ça, je trouve ça très très classe. D'ailleurs... J'en ai où là? Ok, il y a apparemment assez de... Mais je sais que je peux pas récupérer les objets dans le bio. Ah, zut. Bon, bah on verra ça. Hop. Ok. Ben, oui, je sais que je peux pas récupérer d'objets dans le bio réacteur. Me fais pas chier. Hop. Oh là, ça bug. Ça y est, ça bug. Bug. Vous ne pouvez pas récupérer d'objets dans le bioréacteur. D'accord, merci, je suis au courant. Non, qu'est-ce que j'avais fait ici? Maille de fibre x2, circuit intégré, titane. Ça, il faudrait que je le fasse. Un de ces quatre. Ah, on pourra peut-être faire un magnifique aquarium. Pourquoi pas un aquarium, tiens. Vert, 4 fois vert et titane. Alors, attendez, 4 fois vert et du titane. Titane x 2 et vert x 4. Hop, hop. Alors c'est le truc qu'on peut mettre des poissons.
dedans. Alors apparemment, j'avais lu dire on pouvait mettre ça dans, on pouvait mettre des poissons dedans et les poissons se reproduisaient et j'ai jamais vu des poissons se reproduire. Alors, faudra me dire comment faire parce que alors là, j'ai jamais trouvé. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ça consomme. Bon, je crois que j'ai assez de titane de toute façon, de quartz dans les parages. Il y a une grosse concentration de quartz dans les parages. C'est agréable. Et je crois que ça réapparaît de toute façon petit à petit. J'avais fait prêter attention, mais je crois que ça réapparaît. Et on va mettre ce magnifique... Voilà, on va le mettre... Ouais, non, c'est ça que je veux, merci. Alors, où on le met... Pour le mettre... Tiens, pourquoi pas ici, là, genre... On va bien le centrer, comme il faut. Et voilà. Un magnifique aquarium, faudrait que je mette des poissons dedans. Ah non. Ah il fait jour. Allons voir ce LifePod 8. Je crois que ça c'est des nouvelles missions parce qu'avant j'ai pas souvenir qu'il y avait ce genre de truc. 700 mètres. Tiens, c'est quoi ça? Là il y a des débris, ça c'est des débris que je connais déjà. 597 mètres. Oui, je sens... C'est bizarre parce que je sens le traquenard. Le vaisseau est juste là en plus. Hein. Ouais, c'est ça, le vaisseau est juste... Ah bah c'est d'être au pied du vaisseau alors. On va raser les murs parce que j'ai pas envie de me retaper un léviat. C'est quoi ça? Le Seagull, ouais, bon, bah, je l'ai déjà le Seagull. Du sel, j'en ai besoin de sel. Oh! Ça, c'est pas une pièce de... Oh, le Simote! Ah, pièce de sous-marin. 1 sur 3. Technique, le Simote. Là, 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 là. Lâchez-moi! Putain, on fait peur, c'est... Oh putain, okay, c'est un piranha ça. Mais allez, c'est moi ou c'est immense ce truc là? Mais lâche-moi! Putain, il y a un piranha qui arrête pas de me... Bon, j'en ai marre, il arrête pas de me poursuivre. Saloperie de piranha. J'ai pas de fusil, j'ai rien du tout. J'aime bien aller voir. Alors, il y a un gros tas de sel là, je sais pas ce que c'est en fait. Qu'est-ce que c'est de ce truc? Ah ouais d'accord. Putain ça fait des ombres ces machins, j'ai jamais remarqué. Qu'est-ce que c'est de ce truc? C'est du sel ça? J'ai l'impression qu'ils se déplacent beaucoup plus vite qu'avant les machins. Mais ils faisaient pas d'ombre avant, ça fait bizarre en fait qu'on voit ce gros truc. Ça fait du boucan par contre. Alors attendez, j'avais vu un morceau du Seagull dans le coin là. Là. Non, c'est le Simote ça. Ah non, non, c'est bon, Simote. Oh là là. Me faites pas de mal, s'il vous plaît, j'ai rien fait.
Ça c'est un truc que je peux pas scanner. C'est un truc que je peux pas scanner. Oh putain! Ah putain! Il m'a fait. Oh putain, j'ai sursauté quoi. Vite, 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 vite. Ah le salopard, il m'a fait sursauter. Ah! Vite, vite, vite! Oh mon dieu, on monte, vite! La lumière! Ouf! Ah la saloperie de saloperie de piranha quoi. J'ai sursauté quoi. Je déteste ces poissons. Bon, il y avait un morceau de cimote. Là. Non, c'est du sel ça. C'est-à-dire qu'il y en a. Ils sont tous dans le coin là. J'ai fouiné mais. C'est un rocher. Putain. Me fais pas de mal, me fais pas de mal, s'il te plaît. Ah, ça aussi, c'est saloperie, ces trucs. Je sais que c'est inoffensif, mais ça me fait... Oh, punaise. Lâche-moi, 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 lâche-moi. C'est rien, je suis trop rapide pour toi. Oh punaise. Oh là 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 là, il y a du monde ici. Oh merde. Vite, recharge. Oh merde. Ouh. Oh putain. Alors attends, attends, attends. Oh là là, lâche-moi, lâche-moi. Oh, il y a des coffrets là, il y a un coffre. Vite, on va remonter. Bon, coucou, coucou poisson. Oh, je vous dis pas le combat que c'est avec ces saloperies de bestioles là. C'est bon. On dirait ma capsule s'éloigne. Des fois... Elle est là, saloperie de poisson. Ah saloperie, 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 saloperie. Bouffez-vous entre vous, faites pas chier. Ah, ça c'est une poubelle ça. Je vais mourir, 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 je vais mourir. Ah, au secours. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Pourquoi m'attaquer? J'ai rien fait moi. Oh, rechargeur de piles, c'est ce qu'il me faut. Vite, vite. Non, 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 non. Ah. Putain, en fait, en chargeur de pile, il y a des trucs dans le coin. Il y a des trucs dans le coin, il faut que je... C'est quoi ça? Ah putain de... Il n'y a plus rien, 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 il n'y a plus rien. On se tire. Ma base, où est ma base? Lâchez-moi! Là-bas, 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 là-bas. Faut que j'aille me soigner. Oh, oh, ils sont violents! Je veux du cuivre, il me faut des... Putain, mais lâchez-moi, saloperie de poisson de... Oh non, il me poursuit. Fuyons. Fuyons. Vite. Ouf. Oh, ils sont violents. Vache. C'est quoi ça? Panneau solaire. Saloperie, faut que j'aille prendre de quoi me soigner. Ouf. Ah bah punaise. Vache. On va bouffer ça, on va boire un peu. Il faudrait que j'aille pourchasser des petits poissons. Ah, donne-moi ça à toi. Ah, merci. Il faut, je suis pas encore allé à ce truc là en plus. Hein. Ouais mais c'est que c'est loin. C'est très loin. Dites-moi les poissons, venez avec moi vous. Venez avec moi. Non, viens là, viens là.
Alors, j'en étais où? On va... Putain, mais ces poissons sont partout là. Putain, mais... Mais lâchez-moi là! Pas possible ça. Ouh, c'est ça qu'il me faut. Passons, passons, passons. Voilà. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai... J'aurais bien trouvé, voulu trouver les... Le chargeur de pile, ça va être très utile, ça. Oh, la vache. J'ai une petite latence, là, parce que c'est en train... Putain, ça m'énerve, cet oxygène. J'ai... Le Léviathan, il est pas là. Il est loin. Il est loin. On s'en fout. Faut que je rentre dans ce vaisseau aussi. Puis je commence à faire nuit, c'est super. Et voilà, j'ai plus de piles. C'est super. C'est la fête au village. Je dois rentrer de nuit. Ce monde me paraît très hostile. C'est par là qu'il y avait le Léviathan. Non, c'est bon, rien à scanner. Oh. Ah, du cuivre. Tiens, viens avec moi, toi. Viens avec moi, j'ai besoin de toi. Voilà. Pas de poisson ici, non? Ouh, petit coffre. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. mètres. On va y aller, hein. Minerai d'argent. Minerai de cuivre. Ce qui m'énerve, c'est que le... C'est en train de se coucher le soleil, et là... Je me sens... Je n'aime pas évoluer dans la nuit. Sur ce monde. Ça fout les jetons. Surtout quand j'ai plus de piles. mètres. 89 mètres. C'est bizarre, j'ai l'impression. Il a coulé leur truc, hein. Ok, il y a encore ces... Oh là 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 là, je le sens mal. Ils ont fait des gros... Putain, ils ont fait des gros trucs de sel comme ça, mais on peut pas les prendre. Oh punaise. Ok. On va pas tenter le diable. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est de ce truc? Est-ce que ça se scanne? Non, c'est juste des débris. Oh là 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 là. S'il vous plaît, me faites pas de mal. Je ne veux, je suis là en paix. Et j'ai plus d'oxygène. Il est en train de me pourchasser, au secours! Non? Allez, remonte. Remonte. Oui, merci, je sais. Je sais. Oh mon dieu. Je suis, ma base est toute là-bas. Il y a un truc qui flotte là. Qu'est-ce que c'est de ce machin? Non mais il faut que j'attende le jour là. S'il vous plaît. J'ai peur. Soleil, reviens. Allez, je sais que ça dure pas longtemps ici les... Ah, est-ce que je l'ai regardé celui-là?
D'ailleurs, dans mon équipement, j'ai pas le truc pour. Il y a un filtre pour respirer en grande profondeur, on perd moins d'oxygène. Oh, de l'eau, cool. D'ailleurs. Buvons. Voilà. Ils ont mis plein de rochers, c'est drôle. Comme ça, je l'avais pas scanné ce truc-là. Hop. Je vais aller ramasser. Ok, il m'a fait peur lui. C'est quoi ces machins? Il y a des rochers noirs maintenant. Je sais pas ce que c'est. Qui est-ce que c'est ces trucs? Non, apparemment on peut rien faire avec. Peut-être pour plus tard. Ok. Aziz, lumière! C'est pas que je m'emmerde, mais j'ai besoin de voir. 30 seconds of oxygen remaining. Oui, je sais, de l'oxygène. De l'oxygène. Je vais aller voir ce que c'est cette capsule là. Allez, mine-toi. J'ai l'impression que la nuit dure plus longtemps que. C'est lourd comme ça, hein. les nuits durent plus longtemps que le soleil. Où suis-je? C'est... Ouais, d'accord. Oh, celle-là. Est-ce que je l'ai vu? Ouais, je crois que je l'ai vérifié. Par contre, celui-là... Ça m'étonnerait que je l'ai fait. Il y a quoi dans celui-là? Pile! Oh mon dieu! Qu'est-ce qui m'attaque? Ah, saloperie. Non, m'attaquez pas, s'il vous plaît. Non. Lâchez-moi. Par contre... Vite, vite, vite. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Oh mon dieu, j'ai eu courant. Celui-là, je l'ai fait. Ah, un truc pour me soigner en plus. Parfait. Ouf. Bon, lumière, s'il vous plaît. Bon, allez, sinon... Ah, par contre, alors, avant d'y aller, comme un foufou... Ah, la lumière... Ah, la lumière... Je dis ça parce que les lumières sur les... les lumières consomment énormément sur le... Sur ce truc-là. Et là, on voit carrément mieux. D'un coup. Et c'est... Pratique. Bon. Allez hop, pendant que la lumière, la lumière est, on en profite. Ok, il n'y a rien dedans, c'est super. D'accord, en fait c'est une capsule assez retournée. Attendez, je comprends rien. Ah, elle est au-dessus. Je pensais qu'elle était en dessous. Mais... D'accord, bon... Bonjour. Oh ouais, en plus si c'était en plein de les radiations ces mecs là. Y'a quelqu'un. Oh, il y a du soin. Oh, bouteille d'eau, ça j'aime bien. On peut pas récupérer des trucs là-dedans là. Non. C'est dommage qu'on peut pas les dépouiller les navettes. Bon bah apparemment il n'y a pas de survivants. C'est très triste. Ils sont tous morus. Alors attendez. Que je me perde pas. Mais arrête de vouloir bouffer des petits poissons, ils t'ont rien fait. Waouh. On va se planquer là. Donc, ni vu ni connu. Batterie haute capacité, ok, j'aime bien. Ouh, un signal. Ok, ça c'est bien aussi. Vite. Ok, un truc pour soigner. Ouh, ça j'aime bien ça. C'est du lithium. Ok, par contre, le lithium c'est important. Et là, on a un nouveau biome en bord.
Mais c'est trop bas pour moi. Oh, ils sont mastoc ces cristaux, mais on peut pas les prendre, dommage. Aïe. Nouveau signal. Bon, alors on va un peu bouffer, je crois. Est-ce que j'ai du poisson à bouffer? Lui. Hop. On va boire, comme ça, ça me fait de l'espace. J'en profite. De l'eau. Oh putain de merde! Ah, oh, il a failli me tuer. On se casse. Ah oh, putain, il a spawné devant moi, cet enfoiré. Vite, fuyons. Oh la saloperie! Ah non, 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 mais je me casse, c'est bon, j'ai eu ma dose là. Ça fait mourir plusieurs fois. On se tire. Ouh, on retourne à la base et l'épisode va s'arrêter ici. J'ai peur. Attendez, je me soigne parce qu'on sait jamais. Oh la salope. J'ai plein de saloperie. Saloperie de... De Léviathan là. Oh, merde. Il m'a foutu la trouille ce con. C'est quoi ça? Ok, je me casse. Salut. Au moins j'ai trouvé du cuivre. C'est déjà ça. Putain, mais il y a des coffres partout là, vous faites chier. Hein. C'est bon. Encore un signal. Et là, il y a quoi? Encore un signal, d'accord. C'est bon, j'ai plus de place, j'ai plus de place. Je me casse et je n'ai plus d'énergie. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est de ce truc? Boule de sport. Ça par contre je connais pas ça. Et je me casse très vite. Vite d'oxygène. Ouf. Ouf. Thank you. Bon par contre c'est bien compliqué pour moi là. Non, non, je vais... Deux mois d'oxygène, deux mois d'oxygène. Merci. Ah, c'est ça que je vais voir. Qu'est-ce que c'est de ce truc? J'ai plus de batterie. Par contre, j'ai du cuivre, donc je vais pouvoir m'en faire. Je recharge l'oxygène. Je sais bien, je suis peinard comme ça. En chargeant de pile, il faut que je trouve le dernier et la simote, c'est pareil, le 3. Ça, c'est le petit sous-marin. Je pourrais enfin faire le petit sous-marin. Ça va être très utile. Alors, donc, ça donne quoi, ce truc-là? Inventaire plein. Bon, écoutez, hop. Qu'est-ce que ça fait, ce truc-là? Nourriture plus 5, H2, ok, poche à sport, bon ok, si vous voulez les gars. Par contre ça me fait chier, mais ça se décharge trop vite ce truc. Je veux retourner chez moi. Allez. On se tire. Il y a le Léviathan là-bas, là, il commence à être bien chiant celui-là. Non, non, attendez. Hop, toi tu dégages. Non, j'ai dit toi tu dégages, s'il te plaît. Pile. C'est parfait. C'est ce que je recherchais. Voilà. Et là il y a un énorme dépris. Ouais, je pourrais aller dedans, mais pour l'instant on va le faire un de ces quatre. Attendez, on va remonter là. Oh. Et est-ce que... Voilà. Vas-y, ouvre la porte. Allez hop. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, je peux scanner une chaise. Comme ça je pourrais m'asseoir tranquille. Ce qui est dommage, c'est que dans les épaves, dommage qu'on trouve pas des corps de nos
des corps inanimés de. Voilà, on a des photos de personnes. Mais des corps, ça serait marrant à trouver. Enfin marrant. Glauque, mais au moins on verrait qu'il y a eu un équipage. Parce que pour l'instant on a l'impression d'avoir été tout seul sur le navire, on n'entend que des images des messages de détresse. Mais il n'y a rien d'autre. Bon là c'est que du mobilier. Je pourrais aller là-dedans. Alors hop, on va en profiter. Hop hop hop. Hop hop hop. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? C'est moi, il y a le. Non, il n'y a rien en fait ici. Ok, là ça je peux pas l'ouvrir parce que c'est il me faut le dessoudeur en fait, le truc pour couper. On se casse très vite et je vais retourner à ma maison. Ouf. Allez, on se casse. Je reprends un peu d'air. On se tire. Parce que moi j'ai donné. C'est marrant, j'ai cru voir une source d'eau chaude là. Tout à l'heure. Ok, il y a encore des débris ici. Pas scanner ça. Inventaire plein. Il y a un sac qui me sert à que dalle. Ok, il y a plein de débris. Et c'est tout. Bon, on se casse. Ah putain, j'aimerais bien trouver le chargeur de piles, ça serait tellement efficace. J'aurais plus besoin de fabriquer des piles, je rechargerai tout le temps. Mais si j'ai trouvé le. Tiens, bah attendez. Ah non, j'ai cru que c'était un. J'ai cru que c'était un coffre. Ok. On trace. Lâchez-moi. Allez. Vitesse maximale, mon commandant. Alors sur cet épisode là je me suis tapé des frayeurs, mais à chaque fois j'ai un truc qui m'attaque, j'ai des frissons partout quoi. Je sursaute quoi, c'est abusé. Je tape des jumpscares moi tout seul quoi, mais là le machin qui m'attaque dans mon dos. Ouh. Merci. Alors ce machin je sais pas ce que c'est, je pense que c'est purement décoratif. Ah oui, regardez. Hop. Je mets des poissons, au moins je les garde au frais là. J'ai beaucoup de signal. Ouverture de grotte possible, formation géologique, signature thermique, ouverture de grotte possible, grande masse organique. D'accord. D'accord. Et on va faire une. Ouais, bah en fait. C'est ça là qu'il faut que je trouve là, les débris. En prochain épisode, on partira à la recherche de ces trucs là. J'irai me préparer un peu parce que. C'est vrai que ça manque un peu de ressources, il faudra que j'aille chercher des ressources, faire des piles en RAM aussi. Parce que là, je manque de piles, il faudra que je fasse des bouteilles aussi. Genre des bouteilles, j'ai dit. Ça. Ok, c'est bon, on va cuire ce truc. Voilà, j'ai faim. J'ai faim. Donc ça, boule de passeport. Et c'est apparemment ça se bouffe pas. On peut le manger, mais je sais pas si ça. Si ça fait quelque chose en supplémentaire en fait. Ceci est une grande question. On va mettre ça là. Le sel. J'avais pas mis du sel. Ah, le sel. Voilà. Le lithium, ça c'est important. Alors ah bah il est. Ça, le lithium, ça va me permettre de renforcer ma structure. Le minerai d'argent. Et le cuivre. Voilà. Il faudra que je trouve un. Ouais, il va falloir que je vérifie tout ça là. On ira ensemble voir tous ces petits points. Mais en fait, avant d'y aller, il faudrait que. J'aimerais bien avoir plutôt le. Trouver toutes les pièces du cimote. Et c'est con parce que je suis passé juste devant. Le tout premier morceau que je suis tombé, c'était un morceau de cimote. Et
J'ai pas fait gaffe en fait, j'ai cru que c'était mon petit véhicule en fait. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine de Subnautica et d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Bye bye.